La communauté de Vaudreuil-Soulanges a démontré une fois de plus l'étendue de sa générosité le 8 décembre lors de la grande guignolée des médias. Cette année encore, l'équipe de Viva Média a assuré la gestion de la collecte. Une trentaine d'entreprises de la région ont répondu à l'appel, offrant quelques heures dans l'un des 4 sites régionaux, soit à Paincourt, 2 à Vaudreuil-Dorion et un tout nouveau site à Saint-Zotique. Les dons amassés dans le cadre de la grande guignolée des médias sont versés à la Banque alimentaire Moisson Sud-Ouest. Julie Bergevin, directrice générale de l'organisme, était ravie de voir l'enthousiasme qui animait les bénévoles sur le terrain. Je suis étonnamment très surprise du dynamisme sur les sites, sur le territoire ici à Vaudreuil-Soulanges. Les gens sont généreux, les bénévoles sont heureux de faire partie là, de cet grand événement qui va servir grandement à toute la population du territoire de Bordeaux-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Vaudreuil-Soulanges. Les organismes, là, on dessert 68 organismes. On vous remercie énormément de cette grande générosité. L'équipe de Vaudreuil-Soulanges.tv était également sur le terrain toute la journée pour encourager la générosité. En effet, l'équipe versait 2 $ à la cause au nom de Viva Média pour toute personne qui acceptait de chanter « Le petit reine au nez rouge ». Plusieurs bénévoles se sont prêtés au jeu. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon! Le petit reine au nez rouge, rouge comme elle est mignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fille qu'il entendit pleurer dans le noir, pour le consoler, lui dit « Viens au paradis ce soir. » Comme un ange au nez rouge, tu conduiras dans le ciel. Avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Donnez généreusement. Au final, la somme record de 27 265 $ a été amassée dans Vaudreuil-Soulanges. En combinant les points de collecte de Beauharnois-Salaberry à ceux de la région, ce sont 74 450 $ qui seront versés à Moisson-Sud-Ouest. C'était Stéphanie Lacroix à Vaudreuil-Dorion pour Vaudreuil-Soulanges.tv.